Bonjour Lucie. Bonjour. Productrice de châtaignes ? Oui, c'est ça. C'est ça ? C'est ça, productrice de châtaignes, castanéicultrice. Ah, ok. Exactement. Et vous êtes située où ? À Saint-Basile, dans les Monts d'Ardèche. Ouais, d'accord. Ok. Voilà. Joli pays. Oui. Ok, ça fait longtemps que vous faites ça ? 2 ans. 2 ans ? D'accord. Oui. Quelle idée de se reconvertir dans les châtaignes ? Eh bien, parce que les châtaigniers étaient là, ouais. Qu'ils étaient beaux et qu'ils n'attendaient que moi. Donc du coup, vous faites des bocaux, c'est ça, pour que ça soit tout de suite utilisable ? Alors, je transforme les châtaignes que je récolte sur l'exploitation, ouais, en crème de châtaigne. D'accord. En châtaigne naturelle et en purée de châtaigne. Ok. Ça dépend comment on a envie de les manger. Bah, moi, la purée de châtaigne, c'est, je la mange comme ça, quoi. La purée de châtaigne, ouais. Oh, il n'y a pas de sucre dedans. Ah c'est... non, c'est pas la purée, c'est la crème. Ah, la crème, voilà. Oui. La crème, oui, c'est comme de la confiture, voilà, légèrement sucrée avec ce bon goût de châtaigne qui est très joli. Vous faites les marchés, comment vous vendez ? C'est ça, je fais les marchés, je vends aussi sur des épiceries, dans des épiceries. D'accord. Voilà, mais ça ne fait pas tout, les épiceries, j'ai vraiment besoin des marchés. Ouais. Pour pouvoir vivre et continuer, oui. Ouais, parce que à ce moment-là, vous pouvez parler de vos produits. C'est ça, oui. Et puis c'est beaucoup plus agréable d'avoir le contact direct avec les clients. D'accord. Et ils reviennent en plus pour dire qu'ils en veulent encore. Okay. Donc c'est super. C'est le plus important. C'est super. Il y a une page Facebook qu'on peut vous trouver ? J'ai un compte Instagram. Instagram, okay. C'est Ferme de Dreamland. Ok. Voilà. D'accord. Eh bien, merci et puis à bientôt. Merci à vous.